La victoire. Victory. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. The name of Jesus Christ of Nazareth. Quelle est la puissance? What is the power? Quelle est l'autorité? What is the authority? Quel est le mystère? What is the mystery? Qui est caché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hidden in the name of Jesus Christ of Nazareth. Comment utiliser ce nom? How to use this name? Pourquoi est-ce que quand nous prions, why, when we pray, nous déclarons, we declare, au nom de Jésus, the name of Jesus, quelle est cette révélation? What's this revelation? Je voudrais avec l'Esprit de Dieu, I would like with the Spirit of God, vous plonger dans une révélation sans pareil. Plonging a revelation. Ce jour, today, est un jour particulier, is a special one, dans le sens que since la révélation va vous apporter quelque chose de nouveau. The revelation will bring you something new. Quelquefois, at times, quand vous n'avez pas la révélation de nom, while you don't have the revelation of a name, vous n'avez pas la signification de nom, the meaning of a name, ce nom ne peut pas être utilisé normalement comme il se doit. This name could not be used normally. Aujourd'hui, today, tu comprendras, you will understand, réellement, truly, le mystère qu'il y a dans le nom de Jésus. The mystery is the name of Jesus. Tu t'amuseras désormais, you will play, à dire du matin jusqu'au soir, say morning through him, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus. Qu'est-ce que c'est? What? Que la victoire. Victory is. La victoire, victory, c'est dominer. Is dominating. C'est avoir le dessus. Overcoming. C'est avoir le contrôle. Controlling. Vrai. Truly. Et total. And totally. Sur l'ennemi. Upon enemy. Sur l'adversité. Upon adversity. La victoire, victory, est cet état d'âme. Is this state of mind. Qui nous donne, giving us, un esprit de supériorité. Spirit of superiority. La victoire, victory, apporte la joie. Brings joy. La victoire, victory, apporte la paix. Brings peace. La victoire, victory, peut changer le cours d'un événement. Change the turn of an event. La victoire, victory, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. The name of Jesus Christ of Nazareth. Je voudrais donc, dans un premier temps, like first, vous parler du plan de Dieu pour l'homme. Speak of the plan of God for man. Dans un deuxième temps, second, de ce que Dieu a décidé de sauver l'homme. God decided to save man. Et dans un troisième temps, third, Jésus-Christ qui décide de rentrer en action. Dieu cherche tous les moyens, God's looking for all means, pour aider l'homme à chercher. God will look for. Qu'est-ce qui peut toucher l'homme? What can touch man? Qu'est-ce qui peut plaire à l'homme? What can please man? Comment ne pas échouer? How not to fail? Comment ne pas échouer? How not to fail? Comment tirer la leçon? How to draw lessons? De ce qui a été notre échec, our failures, pour que demain ne soit pas encore un échec. So tomorrow won't be a failure. Il décide donc, besides, d'envoyer son propre fils. Send his own son. Mais avant, before, d'envoyer son propre fils, selling his son, il va nous préparer. Prepare. Il va te préparer. Prepare. Il va préparer nos frères. Prepare our brothers. Il va préparer notre esprit. Prepare our spirit. Il va préparer donc tout le monde dans l'Ancien Testament, prepare our brothers, à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Receive Jesus Christ of Nazareth. Il va préparer l'homme, prepare man, à recevoir son fils. To receive his son. Il va préparer l'homme, prepare man, à accepter son fils. Accept his son. Mais pour accepter son fils, accept his son, son nom est glorieux. His name is glorious. Le nom de son fils est spécial. The name of his son is precious. Mais pour que l'homme prenne conscience, so that man be aware, que le nom qui est en train de venir, the name coming, est un nom important, an important name. Il va déjà commencer, we start, avec nos parents, with our parents, avec nos aînés, our elders, avec nos vieux pères, our elders, avec nos parents, les grands-pères, les Abraham, les Moïse, les Josué, les Noé. Moses, Joshua. Il va commencer à les préparer, prepare them, à accepter, to accept, quelqu'un qui pourra nous sauver, somebody will save, pour de bon. For heaven. Il dit, je m'appelle Jésus. Say, I'm named I am. Voici mon nom pour l'éternité. Yes, my name for eternity. Voici mon nom de génération en génération. My name from generation to generation. Et le je suis, and then I am, va venir s'incarner, come to be incarnated, en Marie. In Mary. Marie, notre mère. Mary, our mother. Je voudrais qu'on acclame cette femme extraordinaire. Je suis, I am, viens s'incarner. Come to be incarnated. L'incarnation de je suis, incarnation of I am, en une personne, one person, donne un changement. Here's a change.
C'est pourquoi l'ange qui vient voir Marie va lui dire, ne sois pas troublé. Don't be afraid. Tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. Ce que tu vis n'est pas un événement humain, mais c'est quelque chose que tu ne comprends pas. La seule chose que je peux te dire, c'est que l'enfant que tu portes, il vient de Dieu. Il va provoquer des bouleversements. Son nom sera Jésus. Ce qui veut dire, what means, Dieu sauve. God saves. Si le Jésus, in the high hand, on enlève le I de l'incarnation, the high hand, qu'est-ce que ça donne? What is there? Jésus. Jesus. Jésus est là pour toi. Jesus is there for you. Jésus est là pour te sauver. Jesus is there to save. Si tu ne sais pas, if you don't know, la révélation, the revelation, qui est dans le nom de Jésus, in the name of Jesus, il y a des exploits que tu ne peux pas faire. The great thing you won't be able to do. Le diable sait, the devil knows, que ce qui ouvre les portes, what opens doors, c'est la connaissance, it's knowledge, la puissance, the power, l'autorité, the authority, qui est dans le nom de Jésus, the name of Jesus. Immédiatement, immediately, des démons vous seront soumis. Demons will be subjected to you. Des projets vont s'accomplir. Project will be fulfilled. Vous bâtirez des sociétés dans le nom de Jésus. Build companies in the name of Jesus. La guérison va s'enraciner en vous. Healing will be rooted in you. Si vous comprenez, if you understand, la révélation qu'il y a dans le nom de Jésus, revelation in the name of Jesus, vous serez immensément riche. You will be immensely rich.